Ces messieurs d'être en érection pour un garçon depuis 2 heures. Ça va, vous le vivez bien? Oh, ça va alors. Et
voulais simplement vous dire qu'en fait, le spectacle, ben moi j'ai la chance d'être, de vivre du spectacle, parce que je suis intermittent du spectacle. Alors pour vous expliquer un petit peu comme ça, vous savez un peu où vont vos impôts. Voilà, à peu près vous savez à quoi. La spécificité de notre pays, la France, c'est de pouvoir proposer aux artistes eh bien, de vivre correctement, de proposer toutes ces créations. C'est une spécificité mondiale, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, l'intermittence du spectacle, et ça nous permet à nous, les Français, d'avoir ce type de spectacle qui est notre culture, en fait, la culture du musical, du théâtre, du cinéma, etc. En tout cas, voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'était. Donc, transformiste, je me transforme pour le plaisir, pour mon plaisir, et j'espère en tout cas pour le vôtre également, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, je voulais vous remercier parce que pour tout vous déflorer le secret, en fait, ça fait maintenant 20 ans que j'ai fêté aujourd'hui, cette année, pardon, mes 20 ans de scène. J'ai commencé comme danseur et puis j'ai évolué vers le transformé. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, parce que grâce à vous, j'ai pu faire de ma passion mon métier. J'en vis d'ailleurs très très bien grâce à vous. Et puis je voulais vous remercier de toute cette sympathie que vous nous témoignez à chaque fois lorsque vous venez voir les spectacles dans les différents cabarets. Et puis je voulais aussi vous remercier pour une deuxième chose, mesdames et messieurs. Je voulais vous remercier parce que grâce à vous, en vous regardant, je suis capable de mettre un visage sur la ligne cotisation vieillesse de ma fiche de paye. De savoir que cet argent qu'on vous redistribue, mesdames et messieurs, vous le venez le dépenser dans les cabarets pour faire vivre les jeunes artistes comme moi. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je voudrais qu'on applaudisse maintenant. Je vais vous les présenter. Il s'agit de tout le personnel de l'établissement. Nous allons accueillir sur cette scène, mesdames et messieurs, vont se présenter à vous dans leur plus simple appareil, c'est-à-dire leur tenue de service. Mais, des chocs à des érections ne voudront pas des crises cardiaques non plus. Hein. Ouais, il n'y a même plus besoin de Viagra maintenant. C'est... Enfin, Viagra, c'est dépassé, de toute façon, vous le savez quand même. Ouais, maintenant, c'est du Viagrax. Ouais, c'est un mélange entre du Viagra et du Xanax. Vous connaissez Xanax? Bah, en fait, ils ont mélangé les deux. Tu bandes plus, mais tu t'en fous. C'est ça qui est important, mais c'est bien pratique. Mais c'est vrai. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi pour éviter d'utiliser du Viagra, moi je vais vous donner un petit truc, même si je sais que vous n'en avez pas besoin, parce que vous m'avez l'air bien vert. Mais déjà bien vert, hein? Ouais. Non, en fait, vous pouvez utiliser de l'eau chaude. Ah, ça remplace avantageusement le Viagra à l'eau chaude. Hein. Bah, ça durcit les saucisses et ça vous les moule. Alors forcément, tout va bien de ce côté-là, mon cher. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir comme il se doit tout le personnel de l'établissement de serveur. Elle est bien. Tu la connais? C'est ta nièce? Eh ben, elle n'est pas rendue avec choc. T'as de la chance qu'elle est belle, parce que sinon, elle aurait dû foutre le cours. Enfin, bon, vous voulez qu'elle reste ou qu'elle s'en aille? Elle reste! Tu m'étonnes, vous payez déjà assez de cotisations chômage, hein? Bon. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on dise toute cette belle équipe, je plaisante bien sûr, bienvenue dans cette belle équipe de l'Espagne. C'est la première fois qu'on se voit et pas la dernière, visiblement, parce qu'ils ont dit oui. Donc, voilà. Elle est bien? Elle a bien travaillé? Oui, Frédéric, elle a bien travaillé. Oui, voilà. Alors, je voudrais qu'on applaudisse également, mesdames et messieurs, très très fort, notre animateur de chic et de choc. On l'a remis dans une petite cahute en fer parce que, comme il est un peu jeune, toutes les femmes, elles courent après lui. Surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de cougars, donc du coup, elles courent beaucoup après lui. Du coup, on l'a enfermé, on l'a mis dans une cage en fer, comme ça, voilà. C'est notre animateur et il s'appelle Polo. Vous avez remarqué que la musique, elle marche même quand il n'est pas dans sa cahute. Hein. C'est bon, avec les orchestres, avant, ça ne marchait pas, ce truc-là. Vous vous souvenez? On a à peu près d'âge, vous et moi, je crois, ouais. On a connu les orchestres, il faut le dire quand même. Non, c'est plus vos grands-parents qui ont connu les orchestres. Vous, vous avez connu... Ouais, non, vous, c'est Johnny Hallyday, tout ça, maintenant. C'est les booms. Tu faisais des booms, toi? Ouais. Ah, ouais.
Oui, dans les garages. Ouais, ben, faut pas demander ce que vous avez fait, vous, dans les garages. Hein. Ils se regardent avec un regard complice en disant, tu te souviens? Ouais. Vicieuse, moi. Oh. Bon, puisqu'on en a parlé des vicieux, je vais vous en présenter un autre. Ah, il a entendu en plus. Il nous vient directement de Maubeuge, mesdames et messieurs, c'est un talent. Alors on a vidé, vous aviez avec Claire Denut, puis il y avait lui, on a vidé Maubeuge de tout son talent pour venir ici sur la Côte d'Opale. Mesdames et messieurs, dames et messieurs, ladies and gentlemen, signori, signora. Ça le fait, ouais. Parce qu'avant, j'ai travaillé sur les bateaux de croisière, avant de appris tout ça par cœur. Mais... Monsieur Yves Domary, sous vos applaudissements. Oui, pain ou ladre également, on dit. Ladre, c'est un synonyme de d'avare. Oui, voilà. Alors, c'est ceux qui sont très heureux de vous voir arriver, mais surtout de vous voir partir. Mais trêve de plaisanterie, parce qu'on a de la chance ici, on a des bons patrons, mesdames et messieurs. D'autant qu'ils ne sont pas de la région, et puis ils ne sont pas du tout de, ils sont pas du coin, et ils ont décidé de faire vivre dans ce petit village perdu au milieu du parc. On se demande vraiment ce qu'on viendrait foutre ici en temps normal, d'ailleurs. Au milieu des vaches, ouais, à Saint-Ingle-Vert, ils ont décidé de... Ouais, c'est bon, hein, ça va pas nous faire le basse-cour, les cochons, les machins, et tout ce qui va avec, et le canard pipiou, et le poussin pillou, non. Vraiment drôle, lui, hein. Dans tous les troupes, il y a des cotacotorep, mesdames et messieurs, avec lui, on s'est ouillé, hein. T'es bien énervé, toi, aujourd'hui. T'as eu une augmentation? T'as reviens de vacances, ouais, tu m'étonnes. Ouais, au Touquet, ben ouais. Très peur. Ah, maintenant il était pas, il était en voyage en ce moment. Oui, oui. Mais vraiment. Ouais, sa femme est énorme, c'est que t'as préféré une voiture à la femme parce qu'elle était moins vieille. Ouais, ouais. On t'a retrouvé derrière le pot d'échappement, c'est bon, hein, commence pas mal. Je vous laisse imaginer la suite, mesdames et messieurs. Donc je vous le disais, nous on a la chance quand même d'avoir des patrons extraordinaires ici, trêve de plaisanterie. Je voudrais, ils sont à la ville comme à la Seine unie par un grand amour. C'est beau, hein. Ouais. Il sait votre belle, faisait te dire à tout le monde, si c'est vrai. Mesdames et messieurs, les patrons de ce bel établissement, Claudine et Fabrice. L'après-midi. Encore, vous n'avez pas vu ce qui se passe derrière. C'est encore pire. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est pas tout à fait terminé. On va dans quelques instants vous servir au dessert. Je demanderai à ces gens de bien vouloir préparer la chose. Merci beaucoup. Otage citoyen. Pas le café, hein. Bien. Et puis, mesdames et messieurs, je voudrais que, avant qu'il s'en aille, vous fassiez encore un tonnerre d'applaudissements à Ange, mesdames et messieurs. Ça venu pour demain. À bientôt, Orange. Bon, mesdames et messieurs, on vous sert le dessert tout de suite. À tout de suite. Et il m'a promis que si je faisais chanter, il m'augmentait. Le temps de travail. C'est terrible. C'est un amoureux d'Eddie Michel, vous l'avez vu en arrivant tout à l'heure sur le grand écran. C'est sa star, c'est son chanteur fétiche. Voilà. Et figurez-vous qu'il chante plutôt pas mal. Alors, c'est pas son métier, bien sûr, lui. Mais, voilà. Alors, il faut savoir que nous allons vous chanter cette chanson en direct. Hein. Voilà, pas de playback. Moi, je plais ou je plais pas. On n'est pas des sauvages. Hein, moi. Donc, je demande de la plateforme, monsieur le sympathique patron, monsieur Fabrice. Bien
merci pour le générique du dernier concert de Eddie Mitchell en 2011 à l'Olympia. Je sais tout par cœur. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Patron. Patron. Bon, qu'est-ce que tu vas nous chanter? La même chose que toi. Et donc, oui, j'avais besoin de toi pour leur offrir ce beau voyage. Bien sûr. Car nous allons vous offrir un voyage. Voilà. Restez assis, restez assis. Vous avez le droit de taper dans les mains sur le refrain. Nous allons vous emmener en duo à deux. Ça tombe bien, ils ont presque fini les chouquettes, ils vont pouvoir chanter avec nous. Voilà. Ils ne chanteront pas la bouche pleine. Ah oui, non, parce que sinon après il y a les lunettes et tout. C'est... Voilà. Nous allons vous emmener sur la route de Memphis. Tout à fait. Salut. Quant à l'image que
etc. Ça va sûrement vous amuser, vous savez mes fidélités. La seule histoire d'amour, c'est nous. Et même si on ne s'est pas toujours compris, que cela vous surprenne ou non, tant pis. Les grands moments que nous avons ne sont pas seulement des chansons. Quand le spectacle est...